Bienvenue à tous dans mon let's play sur Watch Dogs numéro 2. Pas le Watch Dogs numéro 2, mais le let's play numéro 2 plutôt. Sur Watch Dogs numéro 1. Donc juste avant, on a juste fait en quelque sorte le prologue tuto intro. Si vous voulez voir, savoir ce qui s'est passé, je vous invite à regarder la première vidéo. Là, on s'est juste arrêté dans la planque. Et maintenant, on va commencer à sortir et à voir ce qu'on peut faire. Où est-ce qu'il faut aller, continuer l'histoire et le scénario et tout ça. Voilà, voilà. Bon, et ben du coup, c'est parti. Alright. On va commencer par se reposer, modifier l'alarme. Oh, qu'est-ce qu'on va se mettre comme alarme? Moi je suis plutôt un genre de mec à me lever vers 10h du matin. Le soleil est levé, il fait beau, les oiseaux chantent. C'est magnifique. Tu veux un poney? C'est mignon. Pas du tout si les effets pixelisés sont faits exprès ou pas. Ça se trouve c'est juste mon ordi qui bug. J'espère pas. Normalement c'est pas ton réveil qui te réveille. Sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Sympa. Bon, objectif principal, sortir de votre chambre. Je pense qu'on peut y arriver. Ça doit pas être trop dur. Ah voilà, qu'est-ce que je disais. Il fait jour, il fait beau et tout. I need to get my mind off things. Lucky for me, the city's full of distractions. And they can't hide from me. Well, if you de battre un record mondial. Détecter les crimes potentiels. Ok, là. En fait, le tuto n'était pas fini. Hop. Attends la réponse d'un employeur. Un employeur aime l'équitation. Pompier. On va pas s'attaquer aux pompiers quand même. Employé d'hôtel. Mais les gens sont pauvres, j'aime pas pirater des gens pauvres. Hérité du domaine familial, tu vois, ça me va. Je veux dire, clé système, client mystère. I'll have to thank CTOS one day. Simple breach of their facial recognition software, and I've got access to everyone's personal details. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Mais quoi? Mais c'est elle que je veux pirater, je peux pas. C'est ça que t'es en train de me dire. Bon, il faut qu'on détecte les crimes potentiels. En retard, son crédit à la consommation. Ok, buddy. Moniteur de centre aéré, stock des fichiers suspects sur son portable. Crime potentiel. Elle m'a pourri la vie, elle va me payer putain. C'est qui, c'est lui hein? On est d'accord. That guy's out of control. I'm not gonna let him hurt anyone today. Simple trace of his call and he's mine. Ok, X. Ça a l'air d'être par là. C'est pas comme si c'était écrit juste là. Il veut tuer sa meuf parce qu'il en a marre de la vie. C'est triste, disons. Hop. Tu m'as pas vu. Hop là.
faire exploser. T'arrêtes de tout vouloir faire exploser tout le temps là. He's here somewhere. Just move carefully. Don't get spotted. Let the profiler do the work. Lorsqu'un cri potentiel est détecté par la City West, rendez-vous dans la zone indiquée, utilisez le profiler. Ne vous faites pas repérer. Attendez l'alerte du City West avant d'intervenir. Sans le tuer. Bah ouais, je veux bien moi. I'm gonna stop this guy. She must be the woman he's after. This guy's close. I can feel it. You can feel it. Non, ça va. Vendre des médicaments homéopathiques, ouais. Tu veux dire que... Ah, il est là. We need to talk. There's nothing to talk about. We're done. Deal with it. You're so fucking wrong. I'm not done yet. Yes. Arrêtez le criminel. Ok. Mage, mais allez. Je t'ai vu gros. Viens ici. Salut. Donc, eh bien. Je veux pas te tirer dedans. F neutralisé, ah oui c'est ça, c'est F. Cool, j'ai neutralisé le criminel. Fan de jeux vidéo. Compte bancaire piraté. Crédit compte 1320. Ah, mais on peut voler que des gens qu'on a. Ok. Et là, du coup, si je vais dans le distributeur, je peux voler ces thunes. 1 sur 20 crimes détectés. Bah, c'est cool. Mission secondaire. C'est cool. Mission principale. Acte 5. Enquête, mini-jeu, contrat en ligne. Ok, mais c'est pas ça que je veux. C'est genre... contrat, mini-jeu, mission principale. C'est genre augmenter mes capacités, c'est pas possible ça. C'est pas là. Ah si, compétences. Mais je peux rien prendre là. Mais j'ai pas de points de compétences, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Pourquoi il me dit des bêtises comme ça? Arrête de prendre tes armes comme ça. Nikki, hey, I know, the party started. It's almost over. Where are you? I'm on my way. Quoi, you make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Arrive. Sorry, Nick, I need to take this. I'll see you soon. What do you think you're doing? Good. You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll set you up. Pre-owned cars. You'd rather register yourself at a car dealer? I don't ask questions. This guy gets me any ride I want. And you if you need it. I just might. How's Maurice doing? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. Need him alive, Jordy. Yeah, alive. Whatever. Goes against your better nature. I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Mm-hmm. Ouais, je peux acheter des voitures. Tout va bien. Enfin, acheter. Véhicule à la carte, débloquer de nouveaux modèles de véhicules en les conduisant ou en piratant les données des passants. Ok, moi ce que je veux c'est descendre. Ça a pas l'air d'être par là. Cette voiture me va pour le moment. Je vais pas chercher à en avoir une autre. Elle est pas si dégueu. Toujours ce contrôle de véhicule qui est vraiment à chier, mais c'est pas grave. C'est un bruit d'enfer, tu driftes à tous les virages, c'est un peu n'importe quoi. Hop. Là, elle avait l'air pas mal aussi, éventuellement. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un dollar. Tout va bien. Non, je voulais voir ce que c'était que le petit bonhomme, le dollar. Ça a l'air d'être ça en fait. Mais bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Tant pis. Pour l'instant, je vais aller au point jaune, faire la mission principale. Et après, on verra. Pardon, excusez-moi.
jouer les grands frères. Ok. Mais c'est là, non? Je suis obligé de sortir de la voiture, c'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire? Oui, c'est ça. Okay. Très bien. Jouer Patrick le grand frère. Patrick Sébastien. Pourquoi tu dis ça? I don't know. Jack's last birthday. Lena sang off key. Happy birthday. Full throttle, no holds barred. Now, I'm afraid of the silence. On va commencer par y aller déjà, à voir comment ça se passe. Hein. Tu vas tout pirater, je veux dire, tu vas juste un anniversaire, hein. C'est pas non plus le vol, le casse du siècle, quoi. Sois toi-même, arrête de penser ordinateur, pense avec ta tête, enfin voyons, mon ami. Hello, toc toc toc, qui est là? C'est pas cette maison, c'est ça? Vas-y, c'est cette maison. Ok, juste que... Ok. Let's go! Ten. Well, in that case, you deserve 10 birthday tickles. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stay here for a second. Je croyais qu'il attendait de le voir. So, an entire year and... Late. Yeah, I'm sorry, Nick. Really. Du coup, c'est sa cousine, sa sœur, sa sœur. Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. Thanks for that. J'aimerais que personne ne me dise jamais ça. It's his first birthday without Lena. How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda. His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Mm-hmm. Jax. Hey. Sorry I'm late. Can I, do I get a hug? Wow. You are... big. Big. So, hey, what you got there? Wow, the healer. Cool. Je sais pas parler. A real toy, huh? Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Ça va, il vient de le revoir. Yeah, I'll be up there in a sec. Fais pas genre. This matters. Pour le gamin, quoi. You being here. Ouais, bah laisse-moi le voir, du coup. I just need to make sure that things are different. Things are different. Je suis pas trop sûr. Hein. You and Jax are the most important people in my life. Mm-hmm. I'm not gonna stop watching out for you. Always the big brother, huh? D'où le nom de la mission. Ouais, c'est rigolo, ça y est. Bon, du coup, on va aller voir le petit ou quoi? On se casse. Last time I was back here. Arrête de mettre le téléphone un peu. Jackson adored her. Ah, mais okay. Faut que ce soit moi qui arrête de regarder mon téléphone. Avec W. You missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Ah, moi. Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Donc c'est bien sa sœur. En même temps, c'est pas logique, mais... Remember when you and Mom were both sick as dogs, but Dad insisted his boy was gonna have his birthday cake? That thing was an abomination. All burnt and lopsided. That was Dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about family. Listen to me, I'm rambling.
Oui, tu es en train de radoter. Petite. Du coup, je suis pas censé aller voir le petit, là. Pourquoi tu continues de me parler? Oh, really? No, 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 don't let me interrupt you. Ok. Bon alors, buddy. Who is this? You think blogging caller ID will hide you? Ok, ça sent le problème. I don't know what's so entertaining, but the police won't find it very funny at all. Listen, the police can trace this call. I know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? Okay. C'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il veut? Who was that? Doesn't matter, just some stupid crank, it happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine? He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, I can find this guy. Okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. C'est mon anniversaire, les gars. Calmez-vous un peu. I better go. Yeah, I think that's a good idea. Best birthday ever. Grown man making crank calls. Let's see how safe you feel when I trace your call. Hey, hey. Quand on sortir comme ça, et non. There you are. Ah oui, d'accord, c'est rapide quoi. Donc, il lui faut deux secondes pour tracer l'appel. Il est juste. He's on the move. Merde, elle où ma caisse? Elle où ma caisse? On va voler ma caisse? Putain, je vais être obligé de prendre la voiture bleue là, dégueulasse. Fuck. I've been afraid of this. Threats to my family again. C'est vous, j'ai quelqu'un à rattraper. Vous excuserez. La cible s'échappe. Je crois pas, non? Je la rattrape et je la défonce. Comme ça qu'on fait. Ouais, elle roule à contresens en plus. Ça, c'est pas du tout suspect quoi. Waouh! C'est quoi ces contrôles de voiture? Oh god. Et toi là? Yeah. I'm sorry, I overreacted. You just make me so crazy sometimes. Come on back, okay? I promise I won't freak out on you. Aiden? Comment dire? You're going after that creep, aren't you? Well... You're doing it right now. I can't believe you. It's not like that. Stop being a hero, Aiden. Let it go. Let what? Yeah, the call's breaking up. I can't hear you. No, you can hear me perfectly. You need to stop right now. Yeah. Comment je fais pour neutraliser? Hello? Still there? Can't hear you. Okay, gotta go. Mec a aucun respect pour sa famille quoi. Come on! Comment je fais pour le neutraliser là? Sa voiture c'est un tank autant que la mienne. God. Je l'ai vu plus pratique quand même. Comment je fais les gars? Je sais pas. Je voulais tourner hein. Too bad. Ow. Bon, comment je fais là? Bordel de Dieu. Je crois qu'à force de le foncer dedans, je vais finir par homicide sur civil. Ouais bah excusez-moi. J'étais sur le chemin. Moi j'ai pas rien. Pas, hein. Ça suffit pas. Je me demande s'il faut pas que je sorte de la voiture et que je lui tire une balle quoi. Je peux pas tirer de la voiture, c'est chiant. Ah, c'est moi qui me prends des accidents. Allez. Ok. Ben, on va continuer à lui foncer dedans et peut-être qu'à un moment donné ça va servir à quelque chose. Apparemment oui. Hey buddy. Reviens ici.
Putain, il est rapide ce con, il est plus rapide que moi. C'est une blague. Ow. T'es sérieux, il va m'échapper là. Hors de question. Hors de question. Reviens ici. Reviens ici toi. Toi t'as une arme à feu, moi j'ai un téléphone portable, ok. Mais putain, je le fais exprès sur moi, je crois. Putain. Le gros débile que je suis, c'est pas grave. Aïe 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 aïe. Ça c'est chaud hein. C'est chaud ou je suis pas doué, je sais pas trop. Mais... Non, hors de question. Je peux pas faire exploser un truc ? Si. Je veux que tu me dises que tu foutais à appeler ma soeur comme ça là. Tu crois que t'es autorisé ou quoi ? Il te faut un permis. Là, je te neutralise maintenant. Allez ! Boum ! Ok. J'ai raté le téléphone de la plan. Eh ben écoute. So we have a deal? Shit, yeah, I can't believe you're paying me that much just to make a crank call. Nikki Pierce, right? I'll mention the locks like you said. And her kid. This feels wrong. That's the point. Okay. Donc il a rien à voir là-dedans lui. Someone pay this asshole the rest, Nikki. Franchement moi on me paye 20 000 euros pour pouvoir sauver quelqu'un, je le fais. Hein. Juste pour faire peur, quoi. Did you get anywhere with DedSec? Any of those CTOS hacks? Yeah, I'm still trying. They're kicking you out. Give me time. Okay, well, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? Wait, what am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I want to know who hired him. Well, the call came from somewhere in the Loop District. But that's as far as I can see. Okay. I can hack CTOS inside the loop. Then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Bloom's building a new CTOS center in the loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards. So it won't be easy. Be careful. You sound like my sister. Relax. Make sure I'm armed and dangerous. Okay. Bon alors il faut aller où du coup ? Mission accomplie, ça c'est bon. Très bien. Et maintenant ? Point de compétence obtenue, mais il me dit ça à chaque fois et... Ah si, c'est bon. Bon, un truc que j'avais envie d'avoir, hein, particulièrement... Attends, c'est quoi ça ? Combat. Améliore la rapidité à laquelle vous changez d'arme. Ok, pourquoi pas. Focus. Ralentir votre perception du temps. Ouais, ça c'est cool ça aussi. La conduite. Déverrouillage des portes. Ouais, ok. Non, mais moi, ce que je veux, surtout, là, actuellement, c'est ça. Ça, c'est stylé, ça. Ça, je le veux, ça. Voilà. Dans les poursuites, ça va faire du bien. Ok, très bien. Et maintenant je vais où ? Ah, je peux pirater la porte et rentrer, CTOS. Ouais, mais ça me sert à quoi d'aller là ? Ça me sert à rien. Ça servira genre plus tard, j'imagine, pour ma vie. Bon, pour l'instant, je vais aller sur la map. C'est quelle touche déjà ? C ? Non. R ? Non. G ? F ? B ? Ah ! C'est pas terrible. On va voir ça. Deux secondes. Désolé. Désolé. Alors, commande. Clavier souris. Pied, j'imagine. Standard. Tac 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 tac. C'est où ? Point de navigation contextuelle. X. Je crois que c'est ça. Nope, ça ne fait absolument rien. Donc c'est pas ça. Très bien, commande. Clavier souris. Carte A, c'est virgule. Ok. Donc
Il faut que j'aille où, moi? Hein? Là? Voilà, très bien. Enfin, c'est assez simple en plus, hein. En mode pas doué, le bonhomme. Oh, c'est écrit sur la route en plus, c'est génial. Y'a pas écrit. Ils font pas la différence entre rouge ou vert quand il faut tourner rapidement ou pas, t'as l'affaire. Ah, putain de merde. Oui, bah, je suis désolé. Chiant aussi. Non, mais c'est chiant aussi, voilà. J'aimerais bien pouvoir que. Enfin, j'aimerais bien que les voitures se conduisent un peu plus facilement que ça. On peut pas vraiment aller très vite avec ça. Hein. C'est désespérant. Oh, attends, je vais prendre celle-là. Eh, Bali. Je veux ta voiture. Je veux ta voiture. Ah, vas-y. Je me mets devant, elle va s'arrêter. Ok. Donne-moi ta voiture, s'il te plaît. Merci beaucoup. Elle a l'air cool, ta caisse. Mieux que la mienne, en tout cas. On va voir si ça se contrôle mieux. J'ai l'impression que toutes les voitures ont le même contrôle après, donc je sais pas trop. Mais... Wow. Hop, tant de merde. Tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Ah, terrible. S'il y a des courses poursuites dans le jeu, je suis mort. Moi, je joue juste. Hein. C'est impossible que je réussisse quoi que ce soit avec ça. Ah ! Aïe ! C'est là. Très bien. Bon, elle est pas si mal cette voiture. Enfin, au moins, un peu plus vite que les autres. Ah ouais, t'es sûr, mais t'as besoin d'armes, tu pirates tout, toi. T'es un ouf. Welcome. Salut ! Fusil de... Oh oui, un fusil de précision. Oh, mais j'ai pas assez de thunes. What is it you're looking for today? Oh, fuck. Est-ce qu'on irait pas chercher un peu de la thune pour prendre le fusil de précision, hein? Je vous le demande, moi. Et moi, je pense que je vais faire ça. Acheter le fusil d'assaut. Ah, mais je suis obligé d'acheter un fusil particulier. Okay. Très bien. Bah, écoute, je vais prendre ça. Acheter. Voilà. Waouh, waouh, tu te calmes. J'ai plus de thunes. Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from the hacker group DedSec. When asked about security changes, Bloom spokeswoman Charlotte Gardner was decisive. Chicago's safety is paramount, so we've hired private security for every CTOS control center. These highly skilled peacekeepers are trained in the most dangerous regions of the world. Ouais, in fact, Ms. Gardner, these peacekeepers you refer to are military mercenaries, many with criminal records. Isn't that true? Indeed, they've served time in the military, but. Ok, j'ai juste. Désolé, hein, si j'écoute pas tout ce qu'elle dit, mais c'est pas que c'est pas intéressant. Mais... Elle dit juste qu'il y a plus de sécurité dans la ville, quoi. Voilà. Il va me falloir plus d'armes et plus de compétences de piratage, etc. Sûrement, j'imagine. Ah ! Wow, wow, wow ! Atroce. Sérieux, c'est des petits poteaux pourris là, ça me pète ma caisse. Une blague. Je vais arriver. Ok, donc faut que j'aille là-dedans. I need access. I gotta find out who's targeting my family. I want that voice behind the phone call. Ok. Là on va commencer les petites infiltrations. En mode stylé, stylé. On va se poser là pour l'instant. Alors, il faut que j'aille. Gru, ouais, ok, y'a pas une autre caméra plutôt? Si, là. On va essayer de se rapprocher pour voir où est-ce qu'il faut que j'aille. Faut que j'aille là? C'est une blague? Ok. Bah écoute, on va essayer de les attirer ailleurs, du coup, histoire de pouvoir passer tranquillement. Parce que moi je suis là, et je peux sûrement passer par là grâce au chariot. Voilà. Très bien. Si je pirate ça, ça fait quoi? Je déteste. Ok, c'était une personne, j'avais pas capté. Fort bien. Mais si je déclenche l'alarme là, ils vont tous se ramener ici, ça va pas être cool ça. À moins que je fasse exploser ça à côté, du coup ils sont tous morts. On va essayer ça. Vas-y, allez là-bas les gars. Y'a que toi qui y va là. Une blague.
Boum. Ok. Bon, bah maintenant que je les attire ici, je vais peut-être pouvoir passer par ailleurs, du genre là, en fait, tout simplement. Histoire de pouvoir aller là tranquillement. On va essayer ça, on va essayer de passer par là. On va essayer de passer par là et de voir si on peut pas... Très bien, faisons comme ça. Tac, 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 tac. Salut. Hop, je fais que passer les gars. Ah mais non, il revient du coup. Pas drôle. Pas drôle. Bah non. Pourquoi tu reviens ici toi? Ah non, c'est bon, il se casse. Ok, parfait. Ok. Tu m'as pas vu. Je suis invisible. Oh merde. Elle va me voir. Looks like a standard malfunction. Ouais, ça doit être ça. Allez. Moi je monte là. Hop, très bien. Du coup, où est-ce qu'il faut que j'aille? Localiser un garde disposant du code d'accès. Ah, ok. Très bien. Comment je fais ça? Comment est-ce que je fais ça? Diversion. Je peux pas vraiment les pirater là. Qu'est-ce qu'il fait là? Excellent, je l'ai tué, je me peux faire exprès. Trop drôle. Trop drôle. Ok, lui aussi je peux le tuer. Boum! Voilà, parfait. Aïe aïe aïe. Où est-ce que je peux récupérer des infos là? Poursuivre pour Ruffeldarn. Ruffeldarn. Caméra. Ah, mais ok, d'accord, il y a même les caméras sur les gardes. Quoi. Excellent. J'avais vu un mec en rouge là-bas. Mec, il pète des plombs. J'aimerais bien tourner la vue là, histoire de voir une caméra ou quoi. Wow, qu'est-ce qui se passe? Mon dieu! Hors de portée, ouais. Ok. J'aimerais surtout trouver quelqu'un qui peut me donner les codes d'accès. Mais comment je fais ça, moi? Là-bas, je crois qu'il est rouge. Attends. Je vais prendre une caméra parce que lui commence à me casser les couilles. Accès. Appel des renforts. Ok, c'est bon. Nickel. Les mecs, ils sont perdus quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Très bien. Il faut que j'aille là-bas maintenant. Je peux faire tomber la grue. Excellent. J'aime bien le concept. Bon, ben du coup ce sera pour la prochaine fois, j'aurais bien aimé genre aller jusqu'au bout, mais vu que j'ai perdu masse temps à faire plein de trucs inutiles. Et ben voilà, il s'avère que j'en suis déjà à 30-35 minutes. Donc je vais m'arrêter là pour le moment, et puis j'espère que ça vous a plu, et on continuera la prochaine fois que je retomberai sur ce jeu. Voilà, voilà, allez, tchuss.